Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est samedi matin. C'est une journée très couverte aujourd'hui. Disons que c'est pas la plus belle journée qu'on a eue. Mais il pleut pas, donc je vais en profiter pour prendre un Bixi. Et je vais commencer la journée en douceur en allant au marché Jean Talon pour déjeuner chez Gusta. Et en profiter pour écrire mon journal, puisque aujourd'hui encore, je suis en solo. Et parlant de solo, ce soir, j'ai une activité spéciale. C'est un souper célibataire végétalien. Bon, vous savez, je suis pas célibataire par définition, mais en même temps, je suis disponible puisque je suis dans un partnership amoureux ouvert avec Martha. On pourrait appeler ça un polyamour, mais je trouve que c'est plus précis de dire un partnership amoureux ouvert. Donc, ça va être quand même une journée spéciale. Pour l'instant, c'est assez routinier, donc je vais à ma place préférée. Je vais peut-être aller à la friperie à côté, voir s'il y aurait des livres ou des chemises blanches. Et puis, à part de ça, je vais voir, je vais improviser. Pourquoi je choisis Gusta comme pour l'instant, c'est que on peut s'asseoir dehors. Donc, je trouve ça très sympathique pour écrire. C'est pas tous les restaurants qui ont une petite terrasse comme ça. Surtout donnant sur le marché Jean Talon, comme ici. Il est près d'11h et petit changement de plan. Il a commencé à pleuvoir, malheureusement. Donc, je pense que je vais être obligé de prendre le métro et retourner à la maison en attendant que ça passe. Et je pense que je vais passer la journée à la maison en attendant ce soir le souper des végétaliens. Il faut s'adapter. Il est déjà près de 6 heures et ce fut en effet une journée très humide, encore très humide. Oui, j'ai même mon manteau d'hiver tellement qu'il fait froid présentement. Alors, je vais rentrer ici bientôt, dans quelques minutes. Ça s'appelle la coop Les Récoltes. C'est une coopérative végétalienne. Ça va bien avec mon énergie. Et le souper ce soir va être végétalien, donc c'est un souper pour des célibataires végétaliens. Je me suis dit que ça serait plus facile de discuter avec des gens qui sont déjà plus proches de moi au niveau de la pensée, de la vibration. Donc on va voir, je suis quand même nerveux. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer, donc on va voir. Si je peux, je vais prendre des images. Sinon, je vous donnerai mes impressions par après. Donc c'est le temps pour moi d'entrer. Il est près de 10 heures et je suis de retour chez moi, comme vous constatez. Ce fut une expérience bizarre. C'est la première fois que j'allais dans un souper de célibataire. En fait, j'ai jamais eu l'occasion de participer à ce type de soirée. Il y avait un gros malaise, bien sûr. Je pense que tout le monde était un peu gêné. Donc, il y a eu plein de grands silences inconfortables. Mais finalement, je pense, on a commencé à se parler. Et puis, ça a été une belle soirée. Donc, je suis content d'y être allé. Je ne sais pas si je vais retourner à ce type de soirée à l'avenir, mais compte tenu de la température qui est encore vraiment terrible, je suis revenu avec mon parapluie. Bien, je pense que c'était une belle soirée, chaleureuse quand même, parce qu'il y avait des gens qui venaient d'arriver au Québec, des gens qui... Tu voyais qu'il n'y avait pas parlé à des gens depuis un certain temps. Donc, ça a fait du bien de parler.
Et voilà, c'était tout simple. Je pensais que je pourrais vous montrer des images, mais peut-être une prochaine fois. C'est quand même une belle journée, c'est fini. J'ai pas assez mangé là-bas. C'était trop des petites assiettes. Donc, je vais me faire un spaghetti ici. Je veux honorer ma journée de nourriture cuite, donc je vais me faire un petit spaghetti au fromage, le fromage de chez Gusta, avant de recommencer demain une journée, ben, la semaine crudivore. Et demain, ben, restez à l'écoute, je vais encore visiter le philosophe André Moreau. J'ai d'autres questions à lui poser, notamment sur l'état du Christ et l'état du grand jovialiste. Encore, je vais aller plus loin. Donc, si ça vous intéresse, ben, soyez à l'écoute demain pour mon vlog suivant. Sur ce, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.